L'actualité s'est pas mal resserrée autour d'Éric Zemmour, et cette musique, véritablement, elle a commencé à faire un son assourdissant au moment de la rentrée de septembre, où en fait, Éric Zemmour est le sujet principal d'actualité, parce que les Français, en réalité, l'attendent. Les Français se sont rendus compte que plus personne n'allait voter, plus personne ne s'intéressait aux politiques. Et là, un homme est arrivé, avec des propos courageux, une façon de parler incroyable, un sens du débat que peu arrivent à égaler ces dernières années en France. Et là, on sent un déclic. Des files d'attente pour des dédicaces, pour le rencontrer, pour lui parler, sont interminables. Beaucoup ont dit que c'était un solitaire, mais je peux vous assurer que hier à Lille, avant-hier à Rouen, à Nice et à Toulon, Éric Zemmour est tout sauf seul, et je crois qu'aujourd'hui, on en fait encore la preuve. Moi, ce qui me fait extrêmement chaud au cœur, c'est que j'ai souvent la question de journalistes ou de personnes qui me disent « Comment décrirais-tu le profil type d'un militant pro-Zemmour ?» Première fois où on me posait la question, je me disais « Mais je n'ai pas de réponse. » Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Et si je n'avais pas la réponse, c'est parce que le profil type du militant pro-Éric Zemmour n'existe pas. Le seul point commun de tous ces gens-là ont, c'est l'avenir de la France, la survie de notre civilisation et l'amour de la patrie. Je pense que le 24 avril prochain, nous pouvons envoyer Éric Zemmour à l'Élysée et à la présidence de la République. Merci à tous. 1, 2, 3.